Même si le pont bleu, le vrai, silence le pont. Excellence, monsieur le ministre de la Sécurité, monsieur le directeur de cabinet du ministère de la Défense nationale, monsieur le secrétaire général adjoint des armées, monsieur l'inspecteur général des forces armées, monsieur le secrétaire-major de l'armée de terre, de mer, de l'air, chers amis, monsieur le officier général de la police, monsieur le directeur général en point, monsieur l'inspecteur général, monsieur le secrétaire général du ministère de la Sécurité, madame la chef de cabinet, chers invités, tout protocole est attendu. Je voudrais tout d'abord vous remercier de vous avoir porté, de rehausser de votre présence à cette cérémonie de passation de service entre le directeur général entrant et sortant. Je voudrais, dans un premier temps, rendre grâce à mes deux parents défunts qui, grâce à eux, grâce à leur éducation, grâce à leur bénédiction, m'a permis d'atteindre les objectifs qui m'ont amené jusqu'à le poste que je cède cet après-midi à mon successeur. À la même occasion, remercier tous mes chefs, en passant par ceux qui m'ont recruté, formé, et particulièrement M. Dieng, le ministre de la Sécurité, de son nom représentant le défunt, et M. Moussa Sakine, qui ont cru en moi à très bas âge, au grade d'adjudant-chef, pour me confier des postes de responsabilité à la police nationale. Jusque-là, c'est ce qui m'a amené jusqu'au poste de directeur général et au grade d'inspecteur général. Grâce à eux, parce que j'ai pris leur mode de commandement, j'ai pu tenir et faire ce que j'ai pu faire jusque maintenant. Ils en soient remerciés et que la paix de Dieu ne soit mise en soutien. Je voudrais pas trop m'étendre parce que ici tous réunis, on se connaît. Celui qui ne m'a pas vu venir m'a vu à l'école ou m'a vu à la CMS en tant qu'encadreur. Je voudrais m'adresser à vous, chers compagnons, vous sans lesquels je ne serai pas ce que les gens disent, général Bafoué, c'est avec vous qu'on mettait les dispositifs de 5h du matin, des fois jusqu'à 22h. C'est avec vous qu'on a pu faire ce qu'on a pu faire. Le général là s'est raconté, on a géré janvier et février. On est venu gérer la transition de Dadis et de Sokouba. Nous avons géré le régime du professeur Alpha Condé jusqu'au 5 septembre, jusqu'au l'avènement du CNRD. On l'a fait aussi ensemble. C'est en commun accord avec les autres amis des autres corps que nous avons voulu amener le changement. Donc je vous amène, je vous exhorte d'accompagner le CNRD dans les mêmes idées de paix, de sécurité et de changement. Quant à moi, je pars grandi, ragaillardi, de pouvoir compter sur moi, c'est rare d'avoir ce tâche, ce grade et aller à la retraite. J'ai commencé au grade de sous-brigadier et de sous-brigadier jusqu'au grade d'inspecteur général, j'ai porté tous ces grades-là à cette époque. Donc, si certains pensent que je suis affecté, je suis dérangé, je vous mets en garde et de vous dire de ne pas vous inquiéter, je suis déjà préparé. Parce que quand tu es déjà directeur général de la police nationale, inspecteur général de la police, même si c'est le professeur Alpha Condé qui m'avait enlevé, je ne peux plus revenir parmi vous. Donc, moi, depuis que j'ai été nommé et que j'ai pris service ici,
je m'attends, j'ai toujours déjà préparé mon départ. Sur ce, je voudrais vous remercier pour votre accompagnement. Je vous recommande de vous mettre à la disposition du nouveau directeur général, qui est un ami à vous, qui est un camarade de promotion à vous, pour tout ce qu'il voudra vous commander dans l'intérêt supérieur de la nation. Sur ce, je voudrais profiter de la même occasion pour remercier et féliciter le président du CRRD, président de la République, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, pour l'estime, le respect, le sérieux qu'il m'a toujours accordé avant même son avènement à la tête de la République. Parce que nous sommes des opérationnels, nous étions ensemble, on se frottait, il m'a toujours respecté et m'a toujours appelé pour eux. Pour cela, je vous laisse reconnaissant. Sur ce, je voudrais demander à Dieu, le bâton qu'il est en train d'utiliser, que Dieu puisse l'aider à atteindre à bon port l'arrivée au chemin qu'il voudra bien sûr observer. Et lui dire que je suis entièrement à sa disposition, matin, midi, soir, tant que je suis en bonne santé, et quant aux collègues policiers, je prends, ce n'est pas un adieu, c'est un au revoir. Dans la vie d'un homme, il y a plusieurs choses, plusieurs chemins, et demandons à Dieu qu'il puisse nous garder dans la santé et dans la prospérité pour que la Guinée et la police guinéenne prospèrent. Le niveau qu'a atteint la police, je souhaite qu'elle augmente, mais qu'elle ne retourne plus. Que vous vous donniez la main, ensemble, on peut gagner, désunis, nous perdons. Sur ce, je vous remercie, merci et à bientôt. Merci beaucoup. Thank you.